Bonjour à tous. J'espère que vous allez divinement bien. Moi, c'est Charline et bienvenue sur ma chaîne Kémy Notre Mère. Aujourd'hui, je reviens avec une petite vidéo pour qu'on parle d'une personne, de l'histoire d'une personne que j'ai entendue. Son nom, c'est Kwaku Adoboli. Donc, pourquoi est-ce que je vais vous parler de cette personne? Pour qu'on se recentre ou bien pour que on soit conscient en fait du monde qui nous entoure une fois de plus, parce que je pense que je vais tourner mes vidéos sur ça, sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre place à l'heure actuelle, maintenant, tout de suite, non pas ce qu'on nous dit sur le papier, mais ce qui est fait littéralement quand on est sur place. Kwaku Adoboli, donc, c'était un trader qui travaillait à USB Suisse, qui est donc une grande banque suisse située à Londres. Donc, ce monsieur, à l'époque, était âgé donc de 27 ans. Et son supérieur était âgé de 25 ans. Et donc ces deux individus âgés de 25 et de 27 ans avaient un portefeuille de 50 milliards de dollars. Donc avec lequel en fait ils pouvaient trader, donc engendrer de l'argent, perdre, etc., etc. En sachant en fait que Kwaku en fait c'était en fait un as de la finance et il avait trouvé en fait plusieurs manières entre guillemets de, par exemple quand il fait des pertes. Pas forcément tout de suite en fait les faire voir. Il pouvait les cacher sur des comptes entre guillemets parapluie. Donc en gros les pertes il les mettait sur des comptes parallèles et au fur et à mesure en fait quand il gagnait entre guillemets il remplaçait ou bien le temps qu'il remplaçait. Donc tous ses supérieurs en fait étaient au courant en fait que c'est la manière dont en fait il agissait pour avoir ou bien pour faire ce qu'il fait. Arrêté? Oui, c'est bon. Pardon, j'ai cru que l'enregistrement s'est arrêté. Donc, tous ses supérieurs étaient en fait au courant donc des méthodes en fait qu'il employait pour faire justement autant d'argent, en sachant en fait que pendant des années, il a engendré des millions de dollars pour la banque USB Suisse en fait. Et un jour, bien sûr, la roue a tourné, hein, on est bien d'accord, la roue a tourné et ils ont perdu des milliards, je crois 10 milliards, un truc comme ça. Ils ont perdu de l'argent. Et dès le moment où ils ont perdu de l'argent, ces deux jeunes gens se sont retrouvés en fait en roue libre. Là, ils n'avaient plus de supérieur, ils n'avaient plus d'accord, ils n'avaient plus rien du tout. C'était juste en fait des jeunes fous de la finance qui ont joué avec le portefeuille et qui ont fait perdre les emplois de plusieurs milliers de personnes. Vous voyez un peu ou pas? Quand tu gagnes de l'argent, je te soutiens, je suis avec toi. Mais par contre, quand tu en perds, tu es tout seul. Tu es tout seul. Donc, pourquoi est-ce que cette histoire, je l'ai trouvée tellement intéressante en fait que j'ai voulu vous la raconter parce que, on va dire en fait, ça s'est passé dernièrement avec plusieurs traders justement à qui on avait confié des portefeuilles hyper astronomiques au final qui en ont perdu et au final la banque les a lâchés et c'était eux les criminels qui avaient perdu l'argent alors que ils avaient normalement en fait un accord de leur supérieur qui leur disait bah tu as carte libre. En fait, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, en fait, c'est que le jeune Kwaku Adoboli, il vit à Londres, en fait, depuis 1991. Donc, depuis toutes ces années, en fait, il vit à Londres. Mais ils sont ghanéens d'origine, entre guillemets, ils ont les papiers ghanéens. Enfin, ils sont ghanéens de nationalité et ils vivent à Londres depuis 1991. Donc, apparemment, son père est un diplomate du gouvernement ghanéen. Donc, avec tout ça, en fait, lui, il a fait ses études, il est resté à Londres, il a toujours vécu à Londres. Et après, donc, l'incident avec la banque USB, il a été condamné pour. Donc, normalement, il risquait de faire 10 ans de prison. Donc, il était condamné donc, pour 7 ans de prison et il en a fait à peu près 3. Et dans la constitution, dans la loi anglaise, on veut en fait que si, par exemple, un immigré. A par exemple un laps de temps à faire en prison, par exemple 7 ans, 8 ans, 10 ans, et qu'il a fait par exemple la moitié, on a le droit en fait de l'expulser dans son pays. Ça fait partie en fait de leur constitution. Donc là maintenant en fait, il a fait 3 ans ou 4 ans de prison, et maintenant en fait, les Royaumes-Unis ont décidé en fait de l'expulser vers le Ghana, en sachant en fait que il est que de nationalité ghanéenne en fait, dans le sens où il a toujours connu Londres aussi longtemps qu'il se souvient. Donc maintenant, comme ça fait partie en fait de leurs droits et de leurs prérogatives, les autorités londoniennes ont décidé en fait que il a fait 3 ans entre guillemets, il a fait hein, la moitié de sa peine,
Donc là maintenant, il décide en fait que bah, vous voyez, on va le renvoyer dans son pays d'origine. Et en fait, le président ghanéen a eu écho de cette histoire. Le président ghanéen a eu écho de cette histoire. Donc lui en fait, la première chose qu'il a dit en fait, c'est d'accord, compte nos enfants, c'est le président ghanéen qui dit ça, compte nos enfants gagnent des millions d'euros dans vos banques, etc., etc. Ce sont des génies, bien sûr, on n'en a même pas parlé. Par contre, quand ils perdent de l'argent avec votre accord, là maintenant tout de suite, vous venez le débarquer dans son pays d'origine comme si c'était un colis. Donc le président ghanéen a dit, il n'y a pas de problème, moi je vais récupérer mon enfant et surtout, je vais lui trouver une place dans une de nos banques, parce que, dans notre banque, parce que si USB Suisse, vous l'avez engagé, vous lui avez donné un portefeuille de 50 millions que lui tout seul, il devait, lui avec quelqu'un qui était même plus jeune que lui, il devait tous les deux d'en faire des millions, c'est parce que vous saviez en fait que ce garçon avait du talent. Et aujourd'hui, entre guillemets, il a fauté, et là maintenant vous le sortez dehors comme si c'était un malpropre. Il n'y a pas de problème, moi je récupère mon talent, ce talent-là va aller dans une de mes banques. Donc voilà pourquoi je vous ai raconté cette histoire, parce que ne nous laissons pas abattre. Alors actuellement, je suis hyper contente que le président ghanéen, en fait, ne s'est pas simplement dit, lui, c'est un déchet, il a été jeté par Londres, il va venir ici, entre guillemets, croupir. Non, il va rentrer et justement, tout ce qu'il a appris à USB là-bas, Suisse, là, il va apprendre ça maintenant à ses compatriotes ghanéens. Et c'est exactement ce que je souhaiterais parce que on est tellement nombreux, on est tellement nombreux, en fait, à distiller notre talent, hein, au plus offrant parce que c'est eux qui offrent. Qui est eux qui offrent pour notre talent, parce que nous-mêmes, nous ne savons même pas reconnaître le talent de nos propres enfants sur notre continent. Il faut que ce soit d'autres qui les lourdent pour qu'on puisse maintenant les voir. Il n'y a pas de problème, on les a vus au moins. C'est pour ça que moi, je vous dis maintenant, à l'heure actuelle, là maintenant, tout de suite, soyez bien conscients en fait que ce n'est pas toi, hein, ce n'est pas toi, individu noir, qui travaille pour telle ou telle société. Ce sont tes compétences, c'est ce que tu peux lui apporter. Toi là, toi personnellement, il n'en a absolument rien à faire de toi. Que ce soit dans n'importe quel travail, que ce soit footballeur jusqu'à éboueur, ils n'en ont absolument rien à faire de nous en tant que noirs, en tant qu'individus. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'on peut leur apporter au niveau intellectuel, ce qu'on peut leur apporter au niveau matériel, ce qu'on peut leur apporter au niveau de la main-d'œuvre. Voilà tout ce qui les intéresse chez nous. Donc soyez bien conscients de ça. Donc à l'heure actuelle, moi, tout ce que je voudrais vous dire, en fait, c'est les compétences que nous avons là. Les compétences que nous avons là. Commençons à vouloir les offrir chez nous. Commençons en fait à faire la démarche, en fait. Pas se faire livrer comme un colis, comme le jeune Kwaku Adeboli. Ben, genre, c'est bon, t'as fini ton temps chez nous. Tiens, rentre chez toi. Non. Vous-même déjà prenez vos affaires, rentrez chez vous, commencez à chercher et vos talents, au lieu de vouloir aller travailler aux États-Unis, aller travailler dans des pays qui vont juste vous utiliser, prenez votre talent, rentrez chez vous et essayez maintenant d'aller utiliser ça chez vous. Prenons nos talents là et rentrons chez nous parce qu'on sait très bien qu'en tant qu'individu, ils n'en ont rien à faire, absolument rien à faire. Vous allez me dire, oui, mais les Africains sont encore pires aujourd'hui et tout. J'ai envie de vous dire, en fait, commençons déjà à nous pardonner. Hein? Commençons à nous pardonner. Parce que je ne sais pas, en fait, ce qu'on s'est fait de si abominable pour que l'homme noir haïsse autant l'homme noir. Je ne vois pas du tout. Voyez ou pas? Alors qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à travailler avec des personnes qu'on sait que même encore là, maintenant, tout de suite, nous méprisent. On est prêts à travailler avec eux. Mais on n'est pas prêts à travailler main dans la main les uns avec les autres sous prétexte que on aurait, comment ça s'appelle, des antécédents, etc., etc. Nous n'avons pas d'antécédents. Le seul antécédent que nous avons, en fait, c'est l'histoire. C'est l'histoire. On a mélangé l'histoire et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes mélangés. Donc donnons-nous la main, frères et sœurs. Certes, ça fait un peu utopique de le dire comme ça, frères et sœurs, etc., etc. Mais peuple africain, donnons-nous la main. Commençons à nous donner la main, à nous donner la main maintenant. Commençons dès maintenant à nous donner la main. Nous sommes prêts à travailler avec le monde entier, sauf avec nous-mêmes, sauf avec nos semblables, c'est pas normal. Nous avons pardonné au monde entier, sauf à nos semblables, c'est pas normal. Commençons à pardonner à nos semblables, commençons à travailler à nos semblables, commençons à nous pardonner nous-mêmes. C'est pas possible du tout qu'on puisse accorder le bénéfice du doute au monde entier, sauf à nos propres semblables. Donc la première personne sur laquelle tu dois avoir confiance, que tu dois te retourner et dire oui, j'ai confiance là, c'est à ton semblable et non à quelqu'un d'autre. Donc, à bon entendeur, salut.
Merci beaucoup d'avoir écouté mon message et j'espère une fois de plus en fait que ce sera pertinent parce qu'il est temps en fait pour nous de commencer en fait à récolter toutes nos compétences et d'aller les donner au plus offrant, c'est-à-dire à nos semblables parce qu'à l'heure actuelle on sait très bien que c'est eux qui en ont le plus besoin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un autre sujet. Merci beaucoup et passez une bonne journée ou une bonne soirée. Bye bye.